Angola, mon thème à côté, maman. Tu es à moi, je suis à toi, tika baloba, bébé. Voulez-vous connaître la fortune de Pison Zuba Boy? C'est dans cette vidéo que vous allez connaître sa fortune. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la fortune de l'artiste musicien Pison Zuba Boy. Donc aujourd'hui vous allez connaître sa fortune. Avant de commencer la vidéo, si tu n'as pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et aimez la vidéo pour augmenter les maximums de cette vidéo. Ok, c'est parti. On commence avec son commencement de sa carrière et puis on va finir à proclamer sa fortune. Donc votre problème c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pison, connu sur le nom de Pison Zuba Boy, de son vrai nom Patty Palila Mwona. C'est un jeune artiste musicien congolais né le 21 avril 1990 à l'est de la République démocratique du Congo dans le province du Tanganyika, précisément à Kalemi. À l'âge de 23 ans en 2013, il débarque à Lubumbashi pour poursuivre sa carrière musicale. Charismatique jeune chanteur, il a sorti en fin d'année 2017 un album, Phénomène, dans lequel on trouvait des dizaines de titres comme Chéri fais-moi confiance, Naleli, Sugar, et deux featuring, un avec M'Joe, et autre avec la célèbre congolais Innocent Didas Baloum. Sa voix sucrée et cristalline, ses rythmiques épures et enthousiasme ses milliers des fans. Son, enfant prodige de Kalemi, s'est hissé avec grâce au rang d'artistes musiciens les plus sollicités à Lubumbashi à cause de son savoir-faire et sa silhouette de fils d'Apollon. Il confirme son talent en 2018 avec le titre « Donne-moi », un autre single réalisé en featuring avec Inos B. Cette œuvre de grande facture est jouée en boucle sur les chaînes de télévision locales et internationales. Chanteur engagé, il remporte le grand prix du projet, Mazingira, le mois dernier à Lubumbashi. Cette organisation non gouvernementale, convient-il de rappeler, milite pour la protection de l'environnement et a donné l'opportunité aux artistes musiciens du pays de gagner un financement de 1 000 $ américains. Il faudra signaler que le mois prochain ce natif du Tanganyika est attendu en Afrique du Sud pour une collaboration avec Zara, avant de boucler l'année 2018 par un concert populaire. Avant de vous dire d'abord sa fortune, voici le chose que vous allez savoir sur Pison Zuba Boy. 1. La salaire de musique d'aujourd'hui, il est plus célèbre de nos jours. 2. Il a emporté plusieurs trophées, en plus il a reçu plusieurs récompenses. 3. Son apparence physique fait choquer le FI. 4. Sur internet, Pison est numéro 1 sur le classement des artistes katangais. 6. Il a gagné sa vue grâce à la plateforme comme Spotify ou encore YouTube. 7. Il a déjà voyagé en plusieurs pays comme la France, Afrique du Sud et autres pays. 8. Il a déjà fait le bon featuring avec des grands stars comme Hiro et Boudjou et autres artistes musiciens. 9. Est un artiste katangais qui a plus d'abonnés et beaucoup de vues sur la plateforme YouTube. 10. Est un artiste le plus riche de la province du Katanga et il est l'artiste le mieux suivi sur toutes quatre coins de l'Afrique centrale. 11. Il a créé la plateforme Suba Boy Session pour grandir la musique de la province du Grand Katanga. 12. Beaucoup des artistes katangais se moquent de lui. 13. Il est l'artiste le mieux payé en République démocratique du Congo. La fortune de Pison Zuba Boy sera estimée à 750 000 de dollars. Grâce à tout ce que nous avons cité ici et grâce aussi à son manager qui les produit chaque jour et il introduit sa voix dans les chansons de Pison Zuba Boy comme la chanson Kamulangwe et autres chansons de Pison Zuba Boy. Cette vidéo touchée à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Aimez cette vidéo pour augmenter les maximums de cette vidéo. Laissez un commentaire. C'est toujours votre ami Alexa la star le maître. Rendez-vous dans les prochaines vidéos. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que c'est la seule chaîne qui vous donne les vraies informations des artistes musiciens katangais. Ok, à la prochaine. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.